nos slopettes chaudes. Feet can keep on the ground. À la 45ème minute. Can't stay in one place. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est The Fortification pour donc une nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez à chaque fois le voir en chaque début de vidéo, donc nous sommes sur FIFA 13 pour l'épisode 14 du Ultimate Team. 14, ça fait quand même déjà mieux que la saison dernière où j'étais sur FIFA 12, ce qui prouve bien que j'adore ce jeu. Et donc pour cet épisode 14, qu'est-ce qu'on va consacrer de spécial dans cet épisode 14? Eh bien, tout simplement, parlons de FIFA 14 qui va sortir donc sur Xbox One, PS4, Xbox 60, PS3 et PC. Et en parlant-en, parce que j'ai envie de donner la polémique, j'ai envie de parler de ça justement, j'ai envie de parler de ces petits problèmes que j'ai vu de cette FIFA 14. Alors, d'une, il est bien, je pense qu'il va être bien, mais il y a un truc qui fait tâche. Et ce truc qui fait tâche, c'est déjà d'une. Attention, il y a plusieurs trucs qui fait tâche. Excusez-moi, il y a plusieurs trucs qui fait tâche. Bien sûr, en même temps, on va jouer un match en ligne, hein, comme d'hab. Donc là, hop, on va mettre un petit point par Jabi. Attendez, hein, 2 secondes. Forme. Ah, notre DC là, il veut pas. C'est pas grave, à mon avis. Ok, c'est bon. Donc je disais, il y a beaucoup de points d'art. Vous savez que Yasport a créé un nouveau moteur qui s'appelle Init. Et qui englobe tous ces nouveaux jeux qui vont arriver d'ici là. Donc, tous les nouveaux jeux, style Madden NFL, NBA Live, etc. Et il y a un gros problème. Et un gros problème, c'est quand même que normalement les PC, on va dire, sont plus hauts que la Next Gen. Et ils n'ont pas créé le moteur sur, sur le PC. Et ça, c'est un gros point noir parce que moi qui, pour l'instant, ne suis pas sûr d'acheter des nouvelles consoles, j'aurais bien voulu avoir FIFA 14 avec un vrai moteur. Et donc pouvoir jouer avec un jeu qui soit pas complètement à l'opposé des jeux qui vont arriver, quoi. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, sur Xbox One et PS4, ils auront un moteur Init. Par contre, sur Xbox 60, PS4 et PC, il y aura que dalle. Donc, du foutage de gueule. Le PC, c'est du foutage de gueule. Le Xbox 60, PS4, PS3, je peux bien comprendre. Mais le PC, c'est du foutage de gueule. Et ensuite, l'autre gros point noir, c'est que, ben, quand on y regarde bien, après, pour l'instant, j'ai pas encore vu au niveau gameplay, mais de ce qu'on a pu voir, il y a rien de nouveau encore. Il y a juste des petites physiques en plus, etc. Donc, mais après, je suis peut-être un petit troller, hein, je vais l'avouer. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, ça évolue pas. Hein, c'est... Moi, je pensais qu'il y avait une nette évolution à la Next Gen. Bon, après, il faut peut-être lui laisser le temps, je pense. Hein. Oula, oula, contre-attaque. Il faudra peut-être sûrement lui laisser le temps à IA de mettre sa Next Gen en place FIFA, mais. Honnêtement, pour l'instant, c'est bof. Hein. Pour l'instant, ça m'a pas. Il y a plus de jeux qui m'ont donné plus envie d'y jouer, vous, si vous comprenez. Il y a largement plus de jeux qui m'ont donné vraiment envie. Voilà, ça passe tout juste. Mais ça passe. Mais non, après là, non. Ouh ! Oh, le bourrin là ! Donc voilà, donc c'était un peu mon avis sur FIFA 14. Honnêtement, je vous dis, j'attends de voir. Vraiment du gameplay parce que là, c'est vraiment. C'est maigre, hein. On sait pas vraiment s'ils ont vraiment évolué le truc. Alors, oui, la grosse évolution du FIFA 14 qui devrait. Qui aurait déjà dû être là depuis longtemps, c'est le public en 3D. Oh là là, quelle innovation, excusez-moi. C'est tellement un truc de malade que j'en ai les larmes, je suis ému. Non, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Vous voyez déjà rien qu'à ma voix. Non mais franchement quoi. C'est quoi cette publicité? Ouais, cool les gens, quand on va jouer à un match, on va avoir des supporters en 3D qui vont nous supporter. Ouais, je fais du troll, regardez, on entend les gars. Honnêtement, c'est... Voilà, c'est pas... Ça peut peut-être rendre le jeu plus immersif, mais brin quoi, bref. Après, de toute façon, le problème avec ces jeux de sport là, c'est que c'est condamné à plus pouvoir s'améliorer. Là, regardez, FIFA c'est déjà quand même une des références ultimes, tu peux plus faire plus presque. Oh le con! Oh il a failli marquer contre ce con! Tu peux pas faire plus en gros, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu vas améliorer à part la physique? Ah, il veut toujours pas mettre la tête, hein. Oula, par contre là du 3 contre du 4 contre 1 ça va pas le fait, ça fait pas. L'appel dans l'espace de Lewandowski. On est vers la zone de vérité. C'est bon. Il s'est un peu foiré. Oh le petit centre. Ah non, il est bien. Il s'est pas foiré. Il a fait un mini centre en bas, tranquille. Bah.
Ça paye cher, hein. Oh ouais. Quelle lucidité face au gardien. C'est lui, il joue bien parce qu'en gros, les centres comme ça, il faut double X et on va dire que il y a beaucoup de monde qui le sait pas. Oh, ils font toujours. Il y en a beaucoup de monde qui font des centres en balle comme moi, par exemple. Donc non, ces gens ne sont pas des êtres normaux en fait, des êtres normaux. Ouais, alors le gars, il est en balle, il est tout seul. Ça, c'est juste un peu chiant. Le gardien qui repousse, il est toujours dans. Oh, mon défenseur suit, sinon j'étais dans le caca. Allez, Benzé, cours plus vite! Ah merde. On va essayer de se concentrer maintenant qu'on est par l'équipe à 14. Hein. C'était pour donner vraiment mon avis sur ce que j'ai vu. Je suis vraiment déçu qu'ils n'ont pas mis le moteur init sur PC. Je vois pas pourquoi ça les gênerait. Après, je sais très bien qu'il n'y a pas des. Tout le monde n'a pas un PC de malade, mais bon. Le principe, c'est que si vous achetez une console, c'est parce que vous n'avez pas de PC à un malade. Vous pouvez pas vous acheter un PC de malade. Donc après, voilà quoi. Je veux dire, non. Je vais pas faire une polémique là-dessus, mais voilà. C'est juste que le PC, je comprends pas pourquoi ils ont pas pris un moteur là-dessus. Et la faute là. Robert Lewandowski. Karim Benzema a pas de problème de placement avec lui. Il est dans tous les bons coups. On le tire! Oh là, gardien là, donc il est là! Et en plus, il la reprend, enfoiré! Bon là, ok, j'ai de la chance. Bon là, non. Ouf, la faute. Oh là là, comment je reprends le ballon, tu sais, en mode chance du jour. Faut bien profiter de toute façon, comme on dit. Touche à suivre. Et intercepte. Ouais. Ah, c'est finalement la défense qui a le dernier mot sur ce contre. Encore une fois, on a eu chaud. Et oh, tu fais quoi, mon gardien? Il va pas la plus la mettre en laisser aller en sortie ou quoi? Hop. Oh, magnifique, une 2. Walcott. Walcott qui se sent, il a vu Benzema tout seul. Ah, là tu as suivi. Ah. Attention, c'est pas fini. Non, c'est fini. Fait. Il laisse-moi marquer. T'es méchant. Peut-être une occasion. Ouf, encore une fois, je suis mais de justesse. Maximiliano Pereira. Mais là, honnêtement, j'aurais pu prendre au moins 2-3 buts là. On va repasser une fois de plus par Théo. Allez, Walcott. Walcott, tu cours, mon gros. Allez, Benzé, Benzé, tu tires. Ouah, au-dessus. Ce sera donc une sortie de but. Bon, ça va, on a repris le niveau de la domination. Par contre, niveau réaliste, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas ça. Mais non, abruti des joueurs. À la passe était trop appuyée. Attention, il va la faire là, il va la faire là. Non, même pas. Penals. Piček. Robert Lewandowski. On reprend en contre-attaque. Et la défense qui est sur le qui-vive, attention. Oh, la grosse occasion là. Ouais, le jeu était là, bien vu. C'est quoi ce match de... Oh, faut l'arrêter. Merde. J'ai foiré tout! Mais c'était du n'importe quoi, la balle elle restait, elle repartait, c'était. Tu comprenais pas ce qui se passait en fait. Au centre. Non, gardien qui suivait. Et on rejoue, on est quand même on est déjà à 45 minutes, donc ben je vais me faire niquer pour l'instant sur la mi-temps. Peut-être même un deuxième but pour le fun. Non, c'est bon. Le gardien s'est relevé aussitôt et l'a repris. Parce que mon gardien, c'est pas une lopette. Robert Lewandowski. Et ballon pour Walcott. Attendez, peut-être une contre-attaque. Oui, 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 ça c'est une contre-attaque. Oh, mais. Bon, je tire devant le gardien. Ça, vous pouvez pas. Ça, je peux pas me le pardonner. Ça, c'est ma faute. Mais comme je connais que Djabi tire très fort, ben. Je tente le coup, quoi. Alors là, il y a des travaux chez moi. Disons qu'ils ont su placer un coup d'accélérateur quand il le fallait.
Allez, on court. Non. Il avait suivi le petit pépère. Interception. On s'approche. Ça c'est bien joué. Oh, bien centré. Il vient couper le relais. Eh bordel, il y a combien de Défenseur défenseurs dans centré son en équipe? l'air. Oh, il est beau ce Mais ballon. j'avais fait un, mais j'avais Ça fait va un, mais partir. ça m'énerve quand les boutons ne marchent pas. Bonne interception. Ah, ça veut pas, hein. C'est Allez, bon, bonne interception. suivi, Interception. dégagement. Ça reprend, merde. Oh oui, une mica à mon défenseur là. Diaby. Oula, bouffe-toi ça. Et bien joué, la talonnade. Oh, allez! Ah, il est le premier sur cette passe. Et là, il te joue un truc rapide Ouais, comme il très faisait bonne pas tout à l'heure. accélération vers les buts. Et il s'avance vers la surface. Benzema. Mais non, Benzema, bordel, pas lui! Lui, il pue, lui! Va la faire en haut, va la faire, non, même pas. Il va la faire en bas. En plus, c'est prévisible, bordel, ça. Karim Benzema. Mais contrôle mieux, trou du cul! Blazirkowski. Elle a bien senti le coup. Ce sera finalement un hors-jeu. Attends, oh, hey, tu peux pas laisser le jeu jouer, non. T'es obligé de siffler leur jeu arbitre, hein. Comme ça, ils ont tous le temps de se replacer, tu sais. Oh, quel beau ballon! On laisse l'avantage. Ah, c'est bien arbitré. Attention à la faute. Les 30 derniers mètres. Hey, s'il te plaît, il n'y a même pas eu avantage. C'est quoi cet Oh, arbitre là? Lewandowski. Ouais, belle Et talonnade. en plus. Non mais. Peut-être le but. Il a pris un coup, on dirait, hein, mais il garde sa Va te faire tête foutre, pas en correcte. corner. Vous en savez un petit peu plus? Oui, j'ai l'impression qu'il a pris un coup au niveau du coude. Peut-être même en retombant. Mais rien de bien grave en tout cas. Merci. Non, mais regardez-moi toutes ces contre-attaques que Le je peux ballon pour avoir Ronny quoi, Kant. c'est incroyable. Oh, Allez quel Benzé! centre! Non mais lol, mon joueur qui se fait arrêter comme ça, non mais trop Allez, lol, bien sûr, du cette FIFA perte de tout ballon craché. sur ce contre. Ils reprennent possession du ballon. Allez. Allez. Un bon appel de Karim Allez, hé! Benzema. Oh, quelle occasion! Non! Mais comment ça se fait? Comme par hasard, il y a un défenseur qui revient dans ses pieds, mais c'est pas vrai! Et lui, en plus, il te fait une contre-attaque! Arrête de fumer le bédo! C'est un ballon perdu. Non, mais regardez-moi ce petit jeu rapide, Ça, putain! c'est un bon ballon. Allez! Et c'est Centre! bien Eh centré, ben non. ça! Par contre, ça, non! Mais c'est quoi cette reprise de volée de merde? J'enchaîne mal là, ça va pas, je ne suis pas réaliste. Il faut que je sois plus Tout réaliste, près de la sinon zone de les buts vérité! vont jamais marquer. Gardien sort, Et le voilà. gardien qui, j'allais dire, pour une fois, est sur ce ballon. Ouais, match délicat pour lui, là, pour le moment. Oh, l'arbitrage est Voilà, immédiat. bon certes. Et Mais il c'est quoi cet essaye. abruti? Il laisse passer le ballon! Il se jette. Attends, si c'est tout. Non mais ça, vas-y, ça enchaîne les conneries là, c'est le match. C'est intercepté par Théo Walcott. Oh, il se trouve bien. Oh là Non là, le juste mais comme essai par hasard, il y a un de ces raté. défenseurs. Là, ça enchaîne la malchance, je n'y peux rien. Et comment lui en Et... a la volée en une faute. Attends, moi j'ai pas eu faute, ça a été en touche lui, il avait faute et... Allez, peut-être une bonne occasion. Vas-y. On enchaîne les Oh, petit creux, c'est un dégueulasseries. bon appel. Ou si ça se Merci, dit Théo Walcott. pas. Dimitri Payet. Oh, il y a du talent hein, chez ce joueur. Regardez ce qu'il nous fait. Oh, bien vu le centre. Et penalty là! Et ce Ah centre non, qui mon va joueur se casse la gueule dévoyer tout et seul, bien l'adversaire entendu. peut repartir. Une bonne anticipation sur cette Eh, passe. il fait tout ce que je déteste le gars là. Hein. En plus, vous connaissez quand vous regardez la vidéo, mais il fait tout ce que je Lewandowski. déteste, quoi. Il intercepte comme ça. Ah ben, je viens de le Oh, faire aussi, dur. donc je ferme ma gueule. Attention, pas embarquer le pied. Il est sur la trajectoire. Il reste au sol. Peut-être une élongation. Le suspense reste entier dans ce match. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre.
Allez, 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 on joue la touche, allez, allez, allez. Ça a l'air tellement simple. Allez, rapide, rapide. Mais là, il n'y a pas faute là, bah non. Le gars fait des tacles, mais laisse tomber quoi. Merci pour ces informations. Ouais, elle est bien partie, cette frappe. Non, mais ça me déprime. Là, honnêtement, ça me dégoûte parce que on avait largement les possibilités, mais non, t'as FIFA qui décide autrement. Et puis après, il y a aussi Marage aussi qui décide autrement, je pense aussi. Et là, mais il n'y a pas faute, arrête là. Le gars, il me chope la jambe quoi. Regardez ce bon appel de base. Et s'il marque le deuxième but, là, c'est bon, ça me dégoûte. Oh là là, c'était pas passé loin. C'est sûr que là ça va être pas ça. Mais non, je la fais loin, j'appuie fort, merde, sur Y. Voilà, comme ça. Mais fais une tête, bordel de Benzema! Mais non, c'est pas possible de perdre sur ça. Mais putain, en plus, il joue un jeu de merde. Mais je fais pas faute! Attends, mais pour ça, il siffle faute! Mais pas pour ce qu'il a fait l'autre, c'est-à-dire qu'il me coupait la jambe, c'est pas grave, c'est basique. C'est tranquille, je te coupe la jambe quoi. Et carton jaune qui est arrivé de façon un petit peu tardive, on sent que l'arbitre a hésité. 2 heures plus tard, l'arbitre, franchement, t'es qu'un vrai tardif toi. Rentre chez ta mère, va! Ah mais là les gens, excusez-moi, mais là c'est fini hein. C'est le corner et dès que si j'arrive à dégager, il va siffler, voilà. Allez bien. Bon, moi je vais, voilà, fils de, voilà, parce qu'en plus j'avais une contre-attaque, il me laisse pas la contre-attaque. Donc malheureusement c'est une défaite. J'espère que vous avez quand même bien plu le fait que j'ai parlé de FIFA 14 et autres, mais là ça me déçoit, c'est qu'on avait des possibilités mais on les a pas réussi, on les a pas enclenchées. Donc moi je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Ça, même si c'est vrai que j'ai un petit peu rangé, mais là c'était obligatoire parce que je suis désolé, mais là, ce gars-là, vous pouvez le mettre dans les commentaires, il a un gros cul. Ou une grosse chatte, ou tout ce que vous voulez, même si c'est malsain, mal poli et tout blabla. Mais en tout cas, il a de la chance. Et moi je suis dégoûté. Je crois que ça fait ma deuxième erreur sur cette saison, donc ce qui fait qu'il me restera plus qu'une erreur. Et après, il faudra que je fasse un sans faute. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est pour me faire plaisir. Je galère à dire ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous venez de voir cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton abonner. Et puis moi je vous dis à plus et à la prochaine donc pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.